bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur Silent Hill 2 évidemment. 4K, 60 FPS, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger. Et on se replonge dans l'horreur de cette ville. Je rappelle que Mary, mon ex-femme maintenant, parce qu'elle est malheureusement décédée, nous a envoyé une lettre et nous a dit « Rejoins-moi à Silent Hill, j'ai un truc à te montrer bébé ». Et moi, bah les gars, je suis quand même un petit canard, hein, donc je fonce. Voilà, tu m'envoies une lettre, tu me dis « Allez, ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu, bon bah j'arrive !» On est donc parti, on a trouvé une petite boîte d'allumettes, d'ailleurs, qui nous disait « Rendez-vous au bar Nelly's », évidemment. Et je ne parle pas de Nelly Furtado, qu'on embrasse, hein, évidemment, optionnel. Mais je parle bien du bar, sachant que là, c'est totalement verrouillé. American coffee. Ok. On y va. Oh! Fils de pute! Oh non. Salope! T'enlèves pas! Ah! Gâche! Merde! Ok, ça va. Oh, il m'a sauté dessus. Ok, il y a du linge sale. Il serait peut-être temps de lancer une machine. Ok, on a un petit tableau. Super efficace, super propre. Faites disparaître les tâches d'hier. Les amis. Il n'y a que des mots cachés. Il n'y a que des significations un peu cachées. Donc, de toute évidence... Faites disparaître les tâches d'hier, une machine à laver blindée et sale, c'est qu'en fait, les tâches d'hier ou les péchés d'hier n'ont jamais été nettoyés. Je suis pute. Ok, là on peut passer ou pas? Putain, je suis sûr qu'il y a quelque chose là. Ok, cascade. Double cascade. Ah. Hop. Double cascade, te dis-je. Allez! En mars 1965, la ville de Silent Hill a reçu la visite de l'association de recherche psychique de Maine. Après une étude soigneuse, une équipe de sourciers experts de l'association a conclu que la zone entourant la mine de charbon de Wells, désormais historique, était hautement active. Elle a aussi exprimé ses espoirs de recherche plus poussée et d'exploration de la gorge. Cependant, ces espoirs n'ont pas abouti. Le site ayant été déclaré réserve naturelle historique par la Société historique de Silent Hill, d'autre part, les habitants étaient réticents envers ce projet, arguant que la nature des recherches de l'association nuirait à l'activité touristique du secteur. Le fait de mettre en doute la crédibilité de nos recherches en se retranchant derrière le tourisme est une excuse pour nous empêcher de découvrir ce qu'il y a vraiment là-bas, a déclaré l'un des chercheurs. Malheureusement, aucun représentant local n'était disponible pour commenter cette actualité. Note de l'éditeur, au moment de la publication, il n'y a aucune preuve tangible quant à l'existence de la radiesthésie et à l'efficacité des méthodes des sourciers. Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas le point de vue de son auteur. Donc ils ont voulu faire une mine à Silent Hill et les gens, sous prétexte que c'est un bâtiment un peu historique, ils ont fait « bah non frère, en fait ». On ne veut pas de mine, si j'ai bien compris. Il y a quelque chose pas loin. Il n'y a pas un petit livre à lire? Attendez. Il y avait que ça là? Il y avait que ça. Ok. Bon. Jusqu'ici, c'est plutôt pas trop mal. Donc, on a les points de save comme ça. Très bien. Bon, écoutez, direction à gauche. Direction à gauche. On est d'accord que là, il n'y a rien. Oui. Ah, peut-être que par contre, on n'a pas été voir derrière le mur. Voilà. Et là. Ah!
Ok. Ça, ça va être une tannée. Ça va être une tannée, les amis. Ok. Oh, oh, il y a bêté. Les amis, on est donc d'accord que l'ambiance est folle. Ah, oh, waouh. Désolé, réflexe. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Aïe ! Salopard ! Putain, pétasse ! Il m'a fait trop peur ! J'ai même pas eu le temps de la checker, Ok. Pièce d'une hélice bar. Mais attends, on est au bon endroit ? Non, on n'y est même pas en plus. Ah, c'est sûrement pour y rentrer. Ok. Hop, petite cascade. Hop, toi, tu crois que je t'ai pas vu ? Eh, mon coquelicot. Pas à moi, hein. Je suis un expert du survival horror au cours de ces 45 dernières années. Par contre, j'ai toujours pas de lumière. C'est embêtant. Discuter devant une tasse de café. Savourer un moment, savourer des souvenirs. Là où. Parce que frère, on en a marre. Oh! 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 C'est incroyable! On peut y trouver des choses alors! Ah, je vandalise. Ok. Je suis un vandalisateur. Il y a bien un jour, on va trouver quelque chose dans une voiture, je vous le promets, dans cette aventure. Ok. Oh, l'ambiance est dingue! Alors toi, c'est un combat d'homme à la machine. Wouhou! Je connais! Je connais! Ah! Salopard! Ah! Ah! Ferme-la! Ah! Allez! Un petit shot et ça repart. Oh! On peut rentrer. Facile, hein! Attends, je suis où, moi, avec ces conneries, putain? Je suis même pas au bon endroit. Merde, alors. Ok, on a quelque chose? Oh, waouh! L'homme était encore là. Je lui ai rappelé que lui avait dit... qu'on lui avait dit de ne pas revenir ici. Il a fait semblant de ne pas comprendre ce que je disais. En tout cas, il s'est levé, puis est parti. Il n'a pas fait d'esclandre, mais quelque chose en lui me fait peur. Quand j'observe son visage, j'ai l'impression de voir un masque. Il y a quelque chose en dessous, qui n'attend que de sortir. Je ne veux pas être là quand ça arrivera. Merde alors. Mais de qui tout le monde parle là depuis tout à l'heure? Oh waouh. Il y a trop d'endroits, il y a trop de tout, trop de toi, trop de moi. Waouh, c'est compliqué, oh. J'aimerais bien trouver, il n'y a pas un McDo, un fusil à pompe, un lance-roquette, un char d'assaut, un truc quoi. Oh, il y a trop de choses à faire en face, j'ai envie de péter mon crâne.
Regardez, on a un bar là. Je me suis chié dessus. Un shot et ça repart. Non, je peux pas rentrer. Putain de merde. Il a disparu ? The B, comment c'est possible ? Quel est ce sortilège ? Je me casse, ça sert à rien. Trop de méchanceté par ici. Trop de négativité. On va aller là plutôt. Oh non. Ça recommence. Bien les avoir, les clés de ce market, non? Et là, qu'est-ce qu'on a? American Coffee. Ça me plaît. J'aime le café, j'aime l'Amérique. Oh non. Décidément. Ok. Il y a un truc de groovy music. On aime la musique, on aime le groove. On va y aller, hein. J'en gère deux. Aïe. Oh putain, je les ai bien gérés, je les ai bien gérés. Voiture de Schmitt, y'a forcément un truc de fou, non? Allez. Allez, je sais pas, un fusil à pompe, B. Qu'est-ce que c'est? Des balles de pistolet? Ah, nickel. Bon, il me manque le pistolet, mais... Deux! Allez, rat, frère! Oh, il s'est lâché, le pic. Je sais bien qu'on est en Amérique, mais quand même! Ok. Vas-y, on va au groovy music. Déjà, on va aller checker là-haut. Non, la musique, frère. Tu vas pas me demander d'entrer là-dedans. La porte des ténèbres s'ouvre sur des cauchemars. Pardon. Ah, ça va, c'est fermé, on est rassuré. On a encore eu de la chance. Alors là... quelque chose là-dedans. Oh non, il y a encore un autre. Le concierge est venu l'autre fois. Il était saoul et en larmes. Il avait la moitié d'un disque avec lui et il gueulait qu'il fallait qu'on lui répare. Je voulais le faire pour qu'il la ferme. J'ai voulu prendre la colle dans le meuble, mais le type a réalisé qu'il avait qu'une moitié de vinyle. Il a filé. On peut pas faire grand chose avec le disque. Faudrait se renseigner chez Nellies la prochaine fois. C'est peut-être à eux. Y'a rien de l'autre côté. Le message du disquaire. Ouais, mais... j'ai même pas le disque.
un petit truc, frère, une récompense, une... Je sais pas, un truc sympa, tu vois, en mode, tiens, frérot, vas-y, m'a gâté, m'a gâté, tu as mis le kimono, tu vois. Qu'est-ce que c'est? De la colle? Super, je suis hyper heureux. Colle pour vinyle. Et donc, j'ai le vinyle cassé. Impeccable. Donc, pas de récompense, rien. C'est ma gueule. Ah, voilà. Merci, James, d'avoir regardé plus haut. Deux balles de flingue. Oh, voilà, si jamais ça part en couille, frère, on est équipé. Pas ouf, les récompenses, hein. La musique peut faire revivre ces moments fabuleux que vous pensiez perdus. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On peut pas fouiller les poubelles, quoi, où on en est. Bon, écoutez, j'ai un disque, j'ai de la colle. Impeccable, pour l'instant, tout se déroule à merveille. Bon, ça va que les cadavres restent. Je me voilà un peu rassuré. J'ai trouvé deux balles de pistolet. Il me manque plus que le pistolet. Et j'ai affronté un 1v2, les gars, quand même. Hein. Avec juste un bâton et trois clous, les gars, bon, je m'attends pas à un Oscar, mais enfin... Un petit effort. Ouais, lui, c'est trop. Lui, c'est trop. Vas-y, va t'abriter, va t'abriter. De la chapelle. Je crois qu'on t'a pas vu. Saloperie, va. Ok. Il y a rien. Il y a que dalle. Là, il y a que dalle. Non, mais c'est de notre gueule. On est en Amérique, frérot. Normalement, il y a des M4, des fusils d'assaut. Il peut pas ne rien y avoir. Il me semble que. Il me semble que dans le OG Silent Hill 2, les bouts de bois et tout se cassaient. Mais voilà, apparemment, non. Je déteste cette ambiance, frère. De zinzin, là. Quoi? Ok, j'ai les deux parties, les amis. J'ai les deux parties. Bah voilà, un peu de colle, on est reparti. A long way home. Le long chemin de la maison. Est-ce que jusqu'ici il y a de quoi paniquer? Non! Je ne sais pas ce qui lui a pris. Il s'est mis à éclater ce truc. J'ai dû le jeter dehors. Il a filé en hurlant qu'il allait tout réparer. J'ai récupéré ce que j'ai pu, mais il me manque l'un des boutons. La moitié du vinyle est encore à l'intérieur, mais l'autre partie a disparu. Il a dû l'emporter. Quand j'y pense, il a couru en direction de Groovy. Bon, je vais peut-être aller voir comment il va. Il vit dans Soul Street, près de la pharmacie, appartement 9. Ok. Un petit message derrière ? Nah. Écoutez, pour l'instant, on se régale, hein. On se régale, je veux dire, on s'en sort à merveille. Allez. Peut-être un vinyle? Donc... Il y avait un trou ici, il n'est plus là. J'ai essayé quelque chose, excusez-moi. Je sais pas ce qui m'a pris. J'essaye des choses, hein.
Oh waouh. Il y avait pas ça avant, hein. Il y avait pas ça, hein. Je l'ai mis en C. Ah, ok. Il me manque un petit truc quand même. D'accord. J'ai compris. Il me manque un petit bouton. A little bouton. Et on en avait parlé, je crois. Mais il me manque l'un des boutons. Appartement 9, Soul Street. Soul Street. Où est Soul Street? Soul Street, résidence de Soul Street, appartement 9. Oh là 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 là. C'est le problème un peu partout. Salopard. Qu'est-ce qu'il y a? Pas facile, hein. Ok. Écoutez, sur un malentendu, je me dis derrière, il y a des dingueries. C'est un nom. C'est un nom. Il n'y a aucune dinguerie possible. Étant donné que c'est pareil. Pas obligé de faire des cris comme ça, ceci dit, mais enfin. Écoutez, j'ai paniqué, d'accord? Je déteste les insectes. Ok. Ok, ok, attendez, attendez, attendez. Testé de 0000 à 43. Il a fallu presque 2 heures, j'ai dû filer. Donc il faut tester de 44 à 44-39. J'ai dû encore filer, j'ai l'impression que j'y suis presque, je le sens. Waouh. C'est... Il va y avoir 4 épisodes là-dessus, hein. Vous verrez tôt ou tard, vous verrez. Merde alors. Ah, oh, c'est beau. Attendez, attendez, attendez. Y'a un monde où ça se retourne. Voilà. Ah non, putain, il avait tout lu d'un coup, le con. Alors, il me faut un code. Il me faut un code quelque part. Ambiance. Non, mais ne me dites pas que j'ai pas des couilles en titane, hein, les gars, de faire tous ces jeux que vous ne ferez jamais. Hein. Même si celui-là, il est fantastique en soi, mais. Bon! Il y a le Happy Burger, ceci dit, hein. Il est temps d'être heureux. Moi, tant que c'est pas la radio, à la limite, la musique, je m'en branle, tu vois. Y'a quelqu'un? Bris de verre. Oh, bah, ils ont vu que je cassais tout, hein, j'en ai plus rien.
Oh, le Lascar. Viens là, Lascar. Viens là, Magaté, hein. Vous avez une faim de loup? C'est plus fort que vous? Foncez! Happy Burger, on a ce qu'il vous faut! Vous êtes pressé? Prenez emporté. The Bee! J'avais vérifié toi, bon, hein? Hein, salope? Hein? J'avais vérifié, te dis-je! Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh! Je l'ai pas vu. Vas-y, un dernier shot. De toute façon, après, j'en ai plus, lol. Quoi? Y'a rien là? Si, j'avais vu un trou. Ok. Allez, un flingue, s'il vous plaît. Non. Mais non, mais pas un truc de camé, frérot. J'ai pas fait ça pour ça. Zinedine! Quoi, ce même du truc, frère? Régalez! Non, mais je n'ose y croire! Je préfère tout fouiller parce que je n'ose y croire! Ma récompense! J'ai tabassé 18 gars, ma récompense, c'est une seringue de camé, frère! Bon. Happy Burger, c'est fait! Direction la résidence, vous l'aurez compris. Vas-y, je vais me le faire parce que je me dis s'ils sont en 3 ou 4 après à pop. La gueule. Chose dans cette ville de mort aussi, là, putain. Ok! C'est là-bas. Ceci dit, il y a quoi là-bas? Hein, je ferai demi-tour. Hein. Bien sûr, ils sont si intelligents. Je me suis vu dans le reflet, j'ai stressé. Hein. Bon, écoutez, pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Avec des codes, mais je sais pas où le mettre. La récompense, elle doit être zinzin, non? On va refouiller ça après l'appart. Hein. No parking, no garage. Petite pharmacie, on apprécie. Eh ouais, tu tournes autour, il sait plus. Wouh! T'as vu ce réflexe? Wouh! T'as vu ce réflexe? Aïe! Est-ce qu'il me connaît? Lui, il est fort. Lui, il était fort. Lui, c'était un bandit, hein, une vie d'avant. Hein. Ça va pas, les gars, j'ai la tête qui tourne. Ça commence à me tabasser la gueule. Ok. On y est. Appartement 9. Bonsoir. Y'a moyen de save ou je suis une salope?
Bonsoir. Relève mid 48, ok, ouais, 238 $. 451. Belle pharmacie, ça. Belle facture qui plus est. Eh, c'est une pharmacie, y a pas des soins, s'il vous plaît, les frères. Oh, mais autre que ça, putain, Spio. Waouh. Appartement 9. C'est à l'étage, évidemment. Ok. Bon, mon état de santé, ça va moyen, hein. Waouh, c'est quoi ça? Clé de l'appartement, 5. Bien. Enfin, bien. C'est une manière de parler, je pense. Ok. A laissé sa clé. Fuite qui viendrait d'en haut à vérifier. Bon, bah écoutez, on va commencer par l'appartement 5, ça fait plaisir, c'est la famille. Allez. Ouais, là, ça va pas bien, les gars. J'ai la tête qui tourne, j'en peux hup. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode 2. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. A bientôt pour la suite de notre folle aventure. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.